Eh ben, moi, je monte au bureau, hein. Ouais, pas, tu vas. Non, mais j'ai rendez-vous. Oh, très en beauté. Salopard. C'est un raison. Le tout vif des assurances. Qui m'arrive au nez, c'est vraiment le roi des tristesses. Ben, c'est quand même une bonne nouvelle. Tu croyais condamné? Tu apprends qu'il est en pleine forme. Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'arrête la caisse. Mais tu as signé, Gigi. Tu peux te le mettre où je pense, le contrat. Mais qui a expliqué ça à Maya? Et alors, qu'est-ce qu'il me fera, Maya? Un deuxième trou au cul? Mais j'en ai rien à foutre, il peut me faire un procès, j'ai pas un sou. Gigi, on fait du très bon boulot, tu vas quand même t'arrêter. Oh, à toi aussi, je t'en collerais bien une. Ma partie est venue. Attention, c'est une deuxième chance pour toi. Tu vas pas la gâcher. Pense à ta carrière. Partir à zéro à 40, 38 ans. Que j'y arriverai, moi, à jouer la pièce depuis le temps, hein. Et j'ai pensé à ça. Tu vas être formidable, Gigi. On est avec toi, on t'aime, on est tous avec toi. Lâche-moi. Lâche-toi. Il y a le type de match qui t'attend. 4 pages d'ouverture, tu peux pas rater ça, hein. Voilà. Hé, c'est pas moi, toi. Ah, parce que je la boise. Oh, tiens, voilà le malade. Qu'est-ce qu'il lui prend? J'arrive, elle m'agresse. Comment a-t-il fait? Parce que tu fumes maintenant? Ah oui, je fume. Et je bois. Tu connais la théorie, Sylvette? La cigarette fait pousser les artères. L'alcool, les dilates. Alors, pour une bonne santé... Jamais l'entendre. Gigi, tu vas. Le type de match, 4 pages d'ouverture, je peux pas rater ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais rien de grave. C'est pas de ma gueule, depuis quand elle s'est mise à picoler? Depuis maintenant. Et elle a porté sa bouteille de whisky? Non. Elle l'a trouvée sur le bureau. Et quel est l'imbécile qui a eu la bonne idée d'amener ça? C'est moi. Mais c'est complètement malade, c'est criminel de faire ça. Ça m'oublie, je suis désolé. Alors qu'elle s'en était sortie. C'est complètement irresponsable. Et toi, Sylvette, tu l'as laissé faire. Si elle replonge, la pièce capote, et toi, tu restes les mains dans les poches. Et je ne pouvais pas lui arracher la bouteille des mains, ça nous a pris dépourvu. Je vous avais prévenu depuis le début. On n'a pas fini d'en baver, c'est moi qui vous le dis. Allô? Oui, Cynthia, mon bébé. Oui, oui, on se voit ce soir. D'accord. Non, à 9h plutôt. Tu sais, je répète. Oui. Bon, si tu savais ce qu'elle nous fait en ce moment. Oh oui. Je vais en coulisses, il y a des gens qui écoutent. Je m'en veux, hein. Je m'en veux, je veux me battre. Pourquoi j'ai oublié cette putain de bouteille? Mais Gigi ne va pas replonger. C'est les avoir quand ils se sont séparés. Alors que maintenant, Gigi a retrouvé une goutte. Ah, de nouveau le coup de foudre. Et avec l'autre Cynthia, le Henri, là, qui l'appelle toutes les 2 heures, il est comme un petit chien. Mais écoute, bébé, viens en répète si tu veux. Mais si, tu sais bien que je t'aime, mon bébé. Allez, c'est stupide. Mais, allez, sois un peu adulte. Il n'est pas amoureux de cette Cynthia. Il sort avec elle par cooptation. Comme elle est sortie avec tous les noms de la profession, ça entretient son standing. La seule femme qu'il ait jamais aimée, c'est Gigi. Mais la réciproque est vraie. Ah oui. Je suis quand même bien placé pour savoir, non? Qu'est-ce que tu racontes là? Alors, pour quelle bonne raison quelqu'un qui s'enfile une cartouche de cigarette par semaine arrête de fumer si c'est pas par amour? Oui, mon bébé, moi aussi j'ai très envie. Ah oui, oui. On se voit ce soir? D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle fout la diva des comptoirs? On répète ou quoi? Elle vient d'y aller, laisse lui t'en parler! Elle s'en est où, ces mémoires à la con? Hein? Je vais toujours les publier. Ah, t'es pas au courant? Oh, mais c'est fini, ça. Vu qu'elle sait qu'elle va jouer, elle a laissé tomber. Oui, mais encore faudrait-il qu'on puisse jouer. C'est quoi, cette histoire de mémoire? C'est nouveau? C'est rien à cru. Je monte au bureau.
Bon, qu'est-ce qu'elle fout? Pour ce qu'elle a à dire, c'est vite fait. À moins que ce soit déjà en train de se bourrer la gueule dans sa loge. Encore bravo, Léon. Oui, bah j'ai fait une grosse erreur, ok, d'accord, mais à coup de pas. Tu attends pas non plus que Louis en croit, hein. Sur le bureau. Oui. Allô. Oui, Cynthia. Oui, mon bébé. Mais écoute, qu'est-ce que tu vas chercher, là? Écoute, j'ai assez de problèmes comme ça. Mais je te l'ai dit et répété déjà. Pourquoi veux-tu que j'ai envie de me partir cette rombière? Tu me prends pour qui, là? Alors, tu voulais voter dans l'interview, Gigi? Oui, il faut que je sois proche. Oh, bonjour, mon chéri d'amour. Je suis vraiment, vraiment très, très contente de travailler avec toi, mon doudou. Je te rappelle. Mais comment? Mais c'est la première... Allô, Cynthia? Oh, putain, je vais la tuer. Voyons, autrichien, celui qui s'avait arrêté à rire. Je n'en sais rien, c'était dans le match. Alors? Alors? Moi, ouais, j'étais comme toi. Oui, eh bien, on est à égalité, et ça ne te donne aucun droit de te mettre dans cet état. Et tu perds ta gueule sur le sujet. Mais, quelle mémoire! Je ne me souvenais plus de ce qu'elle...